Je vais présenter quelqu'un qui s'appelle Pascal Pitch. Vendredi, là, dans deux jours, enfin le 14, il va tenter un record hallucinant qui va rentrer dans le livre des records. Et il faudra l'aider. Il faudra l'aider. Il y aura des t-shirts sur le parcours. Je vais vous raconter quel parcours. Et tout ça sera pour la recherche contre le cancer et pour aider les sidéens. Il a 30 ans. Et écoutez bien ce qu'il va faire. Il est triathlète. Il va nager à la piscine de Montgeron 50 km. Ensuite, il va prendre son vélo. Il va courir 2340 km en vélo avec des arrêts de 2 heures simplement pour récupérer. Et ensuite, il va courir 549 km à pied. C'est un garçon qui méritait un grand coup de chapeau, surtout qu'il fait ça vraiment pour aider ceux qui sont malades. Voici Pascal Pitch. Pascal Pitch, il a toujours participé à des œuvres bénévoles, il a roulé souvent pour le Téléthon. Quelle est votre situation? Vous êtes en disponibilité, si j'ose dire? Je suis détaché avec un statut d'athlète de haut niveau par la préfecture de police. Préfecture de police, car vous êtes fonctionnaire à la préfecture, on vous a laissé un an pour vous préparer. Voilà, tout à fait. Alors vous allez faire ça vendredi? Vendredi, oui. Mais dites-moi, nager 50 bornes, c'est hallucinant, il faut s'entraîner pendant des années pour ça. Ça fait 5 ans de préparation, quoi, avec ponctué de 4 records du monde. Ensuite, vous allez quitter le bassin de Montgeron, vous allez prendre votre vélo, qu'on verra tout à l'heure. Ouais. Et là, vous allez rouler pendant plusieurs jours. Pendant 6 jours, oui. 6 jours, voilà. Dans un circuit qui a été tracé par la préfecture de police de Paris. Plusieurs circuits, en fait, le samedi sur Montgeron, sur la ville de Montgeron, ouais. Le dimanche sur la ville de Hyères. Ouais. Et on reviendra donc sur Paris pour finir la partie cycliste. La nuit, on tournera dans Paris. On a eu la chance d'avoir les autorisations, parce que c'est quand même... L'accès à Paris est quand même relativement interdit, quoi. Et là, vous allez courir 550 km. Et après, je pars pour courir 550 km. Et vous allez vous arrêter simplement 2 heures. 2 heures toutes les 22 heures, quoi, en fait. Et vous mangez quand? Et vous mangez sur le vélo? Je mange sur le vélo, je mange dans l'eau, je mange en courant. Vous allez vous arrêter simplement 2 heures pour récupérer. 2 heures pour dormir, ouais. Vous aurez un kiné, ma soeur? Kiné, médecin. Enfin, bien qu'on a du mal à trouver des médecins en ce moment, mais bon. J'imagine. Et tout ça pour aider les autres. Et tout ça pour aider les enfants atteints du cancer et du sida. Ouais. Bon, le sport, c'est votre vie. Je vois que vous êtes ceinture de noire de judo, troisième dan, première dan de karaté, volleyeur. Ouais, c'est votre vie. Vous êtes marié? Je suis marié, j'ai 3 enfants. Ouais. Mais comment vous voyez votre famille? Parce que pour pas faire beaucoup. Ça, il faut s'entraîner tout le temps, non? Au grand désespoir de ma femme, non, je les vois pas souvent. Non. Quel est votre régime, donc, quotidiennement? Eh bien, tous les matins, entre 1h et 2h30 de footing. Qu'est-ce que vous mangez au démarrage? Rien, je pars à jeun le matin. Au grand, désespoir de, ouais, au grand désespoir de la diététicienne. Donc vous mangez ce qu'on donne aux coureurs cyclistes sur le vélo? Voilà, ouais. Et vous dormez combien d'heures par nuit? En ce moment, tout à fait normalement, c'est-à-dire 8 heures, 10 heures. Quoi. 8 heures. Donc vous alternez course à pied, natation et vélo en permanence. Voilà, qui ouais. Sont des sports tous contradictoires. Les jours, au moins 2 disciplines par jour, et quand c'est possible, les 3. Bon, vous voulez me montrer le vélo sur lequel vous allez faire tout ça à partir du 14? Okay. Voilà. Pascal Pitch, que vous applaudissez, va venir là-bas. Vous pouvez monter dessus, on va enlever la roue avant, on l'a enlevé parce qu'on ne peut pas rouler sur ce plateau. Combien il pèse ce vélo? 9,5 kg. 9 kg, et là vous aurez tout, vous aurez le chronométrage, etc. Le chrono, ouais. Vous avez un cœur qui bat à combien? 36. 36. Roland, t'as l'air muet. Ah là, moi je suis estomaché là. Combien de kilomètres à vélo derrière? 2340. Après 50 km de natation. De natation et avant 500 bornes de course à pied. Quel est votre poids? 72. 72 kilos. Vous allez rentrer probablement dans le livre des records. J'espère qu'il y aura beaucoup d'images de votre performance, surtout que vous le faites pour la recherche contre le cancer et pour aider les malades du sida. Vendredi 14, il y aura des t-shirts qu'on distribuera. Chacun pourra les acheter. Des parapluies, des il y aura casquettes, des parapluies. Enfin, il y aura plein de choses à vendre. Et toute la recette, vous la donnez. Voilà, toute la recette partira pour les enfants atteints de maladies. Pas mal quand même. Hein. Merci Pascal. Merci Pascal, bonne chance. Soyez prudents. Vendredi 14, Montgeron et Paris. Maintenant, c'est comme chaque mardi, l'heure de retrouver Pierre Belmar avec un monsieur qui nous amène une œuvre que je qualifierais d'œuvre d'art, puisque chaque semaine, il y a des personnages qui nous amènent des choses tout à fait surprenantes, fabriquées avec des matériaux surprenants. Objet passion, Pierre Belmar.